Hello toi! Alors aujourd'hui je suis trop heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est, comme tu as pu voir dans le titre, le concours Noël 2017 et je suis hyper excitée de pouvoir faire ça avec toi parce qu'en plus c'est mon premier concours. Je vais donc te présenter pour commencer les cadeaux que tu es susceptible de gagner pour ce concours. J'espère vraiment que ça va te plaire. Alors j'ai fait exprès de choisir voilà, des cadeaux qui pourraient aller aussi bien pour les garçons que pour les filles évidemment. Il y en a pour tout le monde. Il y a juste peut-être un petit cadeau, oui voilà, qui est fait peut-être plutôt pour les filles. Enfin tu vas voir, tu vas vite comprendre. Et ensuite dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais t'expliquer les modalités de participation pour pouvoir remporter un petit lot pour cette fin d'année. Alors pour commencer, le premier lot que tu peux gagner pour ce concours, il s'agit des 100 grammes d'esprit de Noël. Alors ça, je trouvais ça trop cute. Alors je précise, j'ai vraiment mis du temps à choisir les cadeaux vraiment un à un. En tout, il y en a donc 5 à gagner et chaque participant ne peut gagner qu'un seul cadeau. Je tiens à le préciser. Alors ça, j'ai trouvé ça génial. Puis voilà, ça rentre parfaitement dans le thème de Noël. Donc c'est vraiment l'occasion pour t'offrir un petit cadeau comme celui-ci. Et dans cette petite boîte, il se trouve donc des petits papiers. Alors c'est pour ça que je trouvais ça vraiment trop mignon. Et dans lesquels il y a plusieurs propositions. Par exemple, tu peux avoir des jeux, tu peux avoir des idées de recettes. Il me semble que tu as également des idées de cadeaux également. Si tu es vraiment en panne d'inspiration, si tu sais pas quoi offrir pour ta famille pour Noël, et bien dans cette petite boîte, tu auras des idées de cadeaux à faire pour ta famille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il me semble que c'est écrit derrière d'ailleurs. Ah bah oui, les films de Noël à voir ou à revoir, tu vois, l'origine de Noël. Ah oui, on parle également des origines de Noël, donc il y a un petit peu de culture également. Livres pour sourire à Noël, confiture de Noël, cocktail, proverbes, livres pour frissonner à Noël. Enfin voilà, je te lis vraiment un peu au hasard. Mais si tu gagnes ce petit lot, tu pourras voir derrière justement tout ce que tu es susceptible de trouver dans cette petite boîte. Je tiens juste à lire ce qu'il y a à la fin parce que ça j'ai trop kiffé. Derrière il y a écrit « Peut contenir des traces de joie et d'euphorie ». Garantie sans bons sentiments ajoutés, à consommer de préférence en période de fête. Bah oui, évidemment, c'est pour ça que j'ai décidé de t'offrir ce petit cadeau, voilà. Alors évidemment, je commence par les lots les plus petits, après les gros trucs, je vais te les montrer vers la fin. Le deuxième lot à gagner, alors là, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont kiffer ça parce qu'on m'en avait parlé. Donc il s'agit d'un bullet journal. Alors voilà, ça, je sais, c'est y a pas mal de personnes qui kiffent ce genre de choses et je suis trop contente de pouvoir te l'offrir celui-ci. Donc voilà, si tu kiffes, donc il s'agit du lot numéro 2. Mais donc dans ce bullet time, c'est vraiment génial parce que tu peux vraiment bien t'organiser. Il y a par exemple 2 pages qui te présentent l'ensemble de l'année, donc du mois de janvier jusqu'à décembre 2018, et tu peux vraiment anticiper sur l'avenir. C'est ça qui est génial. Par exemple, chaque mois tu te fixes vraiment un gros objectif à faire, et ça je trouve ça vraiment génial. Ou sinon tu peux également avoir les périodes par rapport aux semaines, tu vois, si tu as envie de te fixer des objectifs par semaine, bah c'est très idéal. Enfin, il y a vraiment de tout. Tu peux aussi faire pour chaque jour, pour chaque semaine et pour chaque mois. Et en fait, tu as une vision globale de l'année. C'est ça que j'ai kiffé dans ce bullet time. Et également dans ce bullet time, tu peux rajouter des recettes que tu as trouvées sur internet ou également tes objectifs sans les mettre dans des semaines ou des mois. Tu peux par exemple te faire une liste d'objectifs. Tu peux également organiser des soirées. J'ai vu que tu peux également indiquer la décoration que tu as envie de mettre, la musique, les petits cadeaux à faire, le lieu, les gens que tu invites. Enfin, c'est vraiment un très bon outil d'organisation, ce bullet time. Et donc je suis super contente de pouvoir te le proposer. Juste un petit truc par contre par rapport à tous les petits lots que je vous fais gagner, ne croyez pas que c'est des lots que j'ai reçus pour Noël et que voilà, j'ai pas aimé, du coup je vous les redonne. Vraiment, c'est pas du tout ça. Je les ai vraiment payés. Donc c'est vraiment parce que j'avais envie de vous faire des cadeaux. En plus c'est Noël, donc je me dis c'est vraiment parfait pour pouvoir faire un concours. Je vous dis ça parce que en fait ce bullet time, alors c'est pour ça que je précise, je l'ai commandé via internet en fait, et quand il est arrivé j'étais vraiment écœurée, mais en fait je trouve que la couverture était un petit peu abîmée.
Alors, je suis désolée, comme c'est moi qui paye, je peux pas, voilà, en racheter un autre. Enfin, je veux dire, j'ai pas... Enfin, voilà, j'ai quand même dépensé pas mal d'argent pour vous faire ce concours. Donc, c'est pour ça que je préfère être honnête avec vous et vous dire que je suis vraiment désolée pour ce petit bullet time. Malgré tout, toutes les belles choses qu'il peut contenir, voilà, la couverture est un petit peu abîmée. Mais voilà, je tiens quand même à vous le préciser. Et puis, comme dit le proverbe, de toute façon, il ne faut pas se fier à la couverture d'un livre. Voilà, c'est pas parce que la couverture d'un livre est pas terrible que le contenu qui est dedans est mauvais. Alors ensuite, en ce qui concerne le troisième petit lot, ça c'est un petit cadeau que je vous ai acheté chez Sephora. Donc ça, je pense que c'est un lot qui sera peut-être plus destiné aux filles, mais enfin voilà, c'est surtout par rapport au packaging. Je le trouve trop beau. Quand je suis rentrée dans le magasin, je me suis dit, ah ça y est, il y a la collection Winter Wonderland qui est arrivée. J'ai fait waouh, c'est trop bien et tout. Je sais pas si vous avez vu chez Sephora, mais il y a cette collection en ce moment de Winter Wonderland. J'ai vu ça, je me suis dit oh, mais c'est un truc de malade, comment c'est trop beau. Alors oui, je sais, certes, je pense qu'on achète surtout le packaging, c'est plus la déco qu'on achète plutôt que le contenu, mais en même temps c'est tellement joli, tu vois, je me dis je pense que c'est un petit peu normal aussi qu'on paye quand même une partie de la déco. Enfin voilà, comme vous voyez, c'est très girly, voilà, c'est rose, ça brille, enfin c'est vraiment magnifique. Enfin bref, mis à part le packaging, parlons quand même du contenu. Donc il s'agit d'un petit coffre dans lequel est installée une fleur de bain. Je trouve que c'est toujours mieux de se laver avec une fleur de bain plutôt qu'un gant. Dieu sait pendant combien d'années j'ai utilisé les gants. Franchement, ça prend pas le savon, c'est vraiment nul. Quand j'ai commencé à utiliser une fleur de bain, tu peux pas savoir à quel point ça m'a changé la vie. Donc je me dis, là franchement, voilà, t'as l'occasion de recevoir ça gratuitement chez toi. Donc je suis hyper contente de pouvoir te le proposer. Donc il y a la petite fleur de bain avec un savon pour se laver les mains et également, pour compléter le tout, un bain douche moussant à la fleur de coton. Alors ça, pour être franche avec toi, je l'ai pas testé, mais au vu des commentaires que j'ai pu voir sur internet, il paraît que ça sent hyper bon, que c'est vraiment génial. Enfin, en tout cas, ce produit, il est très bien noté sur internet. Tu me diras d'ailleurs par commentaire ou par message qu'est-ce que tu as pensé de ce coffret. Enfin, est-ce que ça sent bon ou pas. Enfin, vraiment, tu nous feras part de ton expérience. Ah là là, je suis vraiment trop contente. Donc maintenant, je vais te présenter les deux derniers lots pour ce concours de Noël 2017. Donc il s'agit des deux plus gros lots, enfin plus gros, on va dire gros entre guillemets, hein, à part peut-être le dernier parce que vous allez voir, je m'attendais pas à ce que ça fasse cette taille là. Il s'agit de cet album de Noël que je trouve, enfin déjà rien que la couverture, c'est vraiment trop mignon je trouve. Et donc il s'agit d'un album avec des coloriages, donc comme tu peux le voir c'est pour adultes, hein, t'inquiète pas, c'est pas, ça va pas être des dessins genre tu fais quelques traits et ça y est hop c'est fini, non. Non, ce n'est pas ça, c'est vraiment un album de coloriage destiné aux adultes. Donc voilà, je trouve que les dessins sont vraiment hyper mignons. Et je pense que comme ça, tu vois, par exemple, si tu sais pas quoi faire pour Noël, admettons, bah ça, tu auras comme ça une petite activité sur laquelle tu pourras te consacrer pour passer le temps. Et c'est pour ça que je trouve ça génial. Et puis comme c'est en rapport avec la thématique de Noël, c'est vraiment le pompon quoi, je veux dire. Puis voilà, les dessins sont très bien faits. Alors oui, évidemment, c'est très détaillé. Donc c'est pour ça que c'est destiné aux adultes d'ailleurs. C'est que voilà, faut vraiment faire attention à pas baver. Faut vraiment être très précis et évidemment il faut aimer le coloriage. Mais le coloriage, c'est vraiment quelque chose de bénéfique et on dit d'ailleurs que c'est un anti-stress. Et évidemment, alors ne t'inquiète pas, si tu le gagnes, je vais pas te l'envoyer comme ça, j'ai pensé à tout. Donc, il s'agit de feutres. Alors voilà, ça aussi j'ai vraiment pris mon temps pour les choisir parce qu'il y avait tellement un choix multiple que je savais pas quoi prendre. Puis j'avais pas non plus envie de t'offrir, voilà, 4 crayons de couleur ou 4 feutres, genre rouge, bleu, vert. Non mais c'est débile, tu vois, enfin ce serait dommage, tu vois. Surtout qu'il y a dans les dessins qu'on te propose dans l'album, c'est vraiment très détaillé. Enfin il y a vraiment beaucoup de contenu à compléter avec les feutres, donc ce serait dommage de se limiter qu'à quelques couleurs. L'heureux
où l'heureux élu qui gagnera ce lot recevra également les feutres. Alors attention, le dernier lot, qu'est-ce que c'est, roulement de tambour? Non, ce n'est pas un iPhone 7 ni 8. Désolée, je fais vraiment avec les moyens du bord en fait. Ne soyez pas déçus, mais il s'agit donc de ce petit carnet, enfin petit, grand. Honnêtement, moi je m'attendais pas à ce qu'il fasse cette taille-là, parce que enfin celui-ci aussi, je l'ai commandé sur internet. Il est vraiment bien parce que du coup, on va pouvoir écrire beaucoup de contenu à l'intérieur. Alors donc ça a rien à voir avec le bullet journal, je tiens à le préciser. Enfin déjà la couverture, regardez-moi ça, la difficulté se vainc, l'impossible se tente. Donc à l'intérieur ça se présente comme ceci, et donc il y a, en plus c'est bien parce que ce sera plus pratique pour écrire, tu vois, de pouvoir mettre la couverture et les autres feuilles derrière et de juste se mettre sur une page. C'est ça que j'aime bien aussi avec les livres en spirale. Et donc il y a des petits autocollants, enfin je trouve ça trop cute, voilà. Il y a pas mal de possibilités. Donc si tu veux écrire un livre, c'est le moment de commander ce cinquième lot. Voilà les amis, donc j'espère que ces petits lots vous plaisent vraiment et que surtout j'espère que vous allez gagner un de ces petits lots que je vous propose. Alors maintenant on va parler de choses un petit peu plus sérieuses. J'aimerais vous expliquer comment faire pour participer à ce concours. Alors c'est très simple, vous allez répondre à 4 conditions vraiment très importantes, je tiens à le préciser. Parce que si vous ne remplissez pas une des 4 conditions, votre inscription n'est pas prise en compte. Alors, la première condition, il s'agit d'être abonné à ma chaîne YouTube. Bon, ça, jusque-là, tout va bien, c'est très simple à faire. Ensuite, c'est de liker cette vidéo. La troisième condition, c'est de commenter cette vidéo-ci. Alors, évidemment, les commentaires méchants ne seront pas pris en compte, hein, je tiens à le préciser. Mais donc, voilà, en ce qui concerne ces 3 conditions, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que ce soit vérifiable, par contre. C'est-à-dire qu'il faut que tu vérifies bien si sur ta chaîne YouTube, tu n'as pas mis les abonnements et les vidéos playlists en privé, parce que à ce moment-là, si je vais sur ta chaîne et que je vois pas ma chaîne et que je vois ni ma chaîne ni la vidéo que tu as likée, enfin cette vidéo-ci, donc, eh bien, si je vois pas ça, je pourrais pas te compter en fait et tu pourras pas participer au concours. Je tiens vraiment à le dire, si tu ne réponds pas à ces conditions, ça ne pourra pas marcher. Il faut vraiment que je puisse vérifier. Donc oui, pour ceux qui n'ont pas de compte YouTube, je suis désolée. Mais il va falloir en créer un pour pouvoir participer à ce concours. Et ensuite, la 4e condition, donc je pense que là c'est une des plus importantes, il s'agit de répondre au formulaire que je vais te mettre dans la description. Donc t'as juste à aller en dessous de la vidéo, à cliquer sur la description. Tu vas très vite voir qu'il y a un lien qui va t'amener donc sur le Google formulaire. Donc il s'agit d'une fiche à remplir pour que je sache ton nom, ton prénom, ton adresse mail, pour que je puisse te contacter en privé pour te dire si tu as gagné ou non. L'adresse évidemment pour que je puisse t'envoyer le colis. Et également très important, le nom de ta chaîne pour que je puisse aller vérifier si tu t'es bien abonné à ma chaîne, si tu as bien liké, si tu as bien laissé un commentaire sous cette vidéo. Et dernière information très importante, il s'agit de la date de début et de la date de fin de ce concours du coup. Alors, ce concours commence à partir du moment où j'ai commencé à mettre cette vidéo en ligne sur YouTube. Et la date de fin sera le dimanche 17 décembre à 21h. Alors, je le précise parce que après 21h, c'est fini, tout sera clos. Je veux dire, même 21h01, c'est mort. Enfin, même à 21h pile, si tu m'envoies ta participation, ce sera pas pris en compte. Je suis désolée, enfin déjà, je trouve 15 jours, ça te laisse largement le temps pour pouvoir participer, pour pouvoir te créer une chaîne YouTube si t'as pas encore pu la faire, et de remplir toutes les modalités qui sont nécessaires pour pouvoir remporter un lot. Ce concours, je le fais terminer le 17 décembre parce que je me dis comme ça, ça me laisse une semaine pour vous envoyer les petits lots, puis comme ça vous fera un petit lot en plus à mettre sous le sapin. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez gagner ce concours, même s'il y a des places limitées, enfin comme je vous expliquais avant, j'ai fait avec les moyens que j'ai pu, donc c'est pour ça qu'il peut pas y avoir trop de gagnants. Mais donc j'espère vraiment que cela vous plaît et que les lots que j'ai choisis vous ont plu, parce que j'ai vraiment, je vous cache pas que j'ai vraiment passé du temps à choisir minutieusement chaque petit cadeau. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.